Ngelengele mundila Congo, ngelengele mundila Congo, mundila Congo futuka mundila Congo, mundila Congo futuka mundila Congo, ngelengele mundila Congo, ngelengele mundila Congo, mundila Congo futuka mundila Congo, mundila Congo futuka mundila Congo, ngelengele mundila Congo. Ngelengele mundila Congo, mundila Congo futuka mundila Congo, mundila Congo futuka mundila Congo, go go mundila Congo, go go mundila Congo. Ngelengele mundila Congo, ngelengele mundila Congo, mundila Congo futuka mundila Congo, mundila Congo futuka mundila Congo. Ngelengele mundila Congo, mundila Congo futuka mundila Congo, mundila Congo futuka mundila Congo, go go mundila Congo, go go. Écoutez, vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas mangé, chantez. Ngelengele mundila Congo solo, ngelengele mundila Congo. Alors vous attendez quoi pour chanter? Vous allez disparaître. Chantez! Futuka mundila Congo. Ngelengele mundila Congo. Ngelengele mundila Congo. Mundila Congo futuka mundila Congo. Mundila Congo futuka mundila Congo. OK, c'est bon. Vous-même, vous avez vu quelqu'un qui peut vous faire disparaître, mais vous ne faites même pas de bruit. Vous voulez disparaître. Allez, faites des bruits, sinon vous allez disparaître. Écoutez, moi, j'ai le moyen inconnu des hommes qui peut faire la guerre même avec l'Amérique. Écoutez. Bon, je me présente. Je suis ce que vous connaissez, l'un des 12 généraux qui travaille avec le seigneur Kabeja Mpungu. C'est moi qui protège l'Afrique parce que dans une université qui se trouve dans l'Arche du Soleil, où Ramakrishna professeur, Boudé professeur, Kimbangwe professeur, Jésus professeur, moi je suis l'assistant de Fumu Kimbangu. Applaudissez pour moi parce que je donne aussi cours au ciel. Écoutez, mais. Président, il y a le représentant de Macron qui est là. On le fait entrer. Emmanuel Masson. Son représentant. Masson. Macron. Il a encore envoyé quelqu'un. Oui. Faites-lui entrer. D'accord. Je vais lui chasser. Écoutez, les jours de mon anniversaire. J'ai reçu aucun cadeau. J'écris à Patati Patata, zéro. J'écris au Bakongo, zéro. J'écris au Baluba, zéro. Bonsoir, monsieur Mwanakungu. Bonsoir. Bon, c'est toi le représentant de Masson. Oui, le représentant de monsieur Emmanuel Macron. Le il était ici, je lui ai chassé. Bien évidemment, voilà pourquoi je suis là. Quand il est entré ici, j'ai senti l'odeur de la bière. Maintenant, toi, son représentant, tu es entré et je sens aussi l'odeur de Zigidoubi. Non, sentez bien. Écoutez. Ah. Écoutez. Et puis, ce n'est pas fini. Là-bas aussi, je sens l'odeur du péché. Bon, Macron est venu, il t'a envoyé ici, il veut encore quoi? Non, en fait, monsieur... Tu peux t'asseoir. Merci. Ibinda, touchez-moi. Merci. Parce que moi, quand je me fâche, je peux bombarder patati patata et vous direz que ce type, il est trop colérique. Or que moi, je suis colérique avec ce qui me fait la guerre. Si tu me fais la guerre, tirez, c'est tout. Non, monsieur, je ne suis pas là pour la guerre. Je suis là pour la paix. Monsieur Emmanuel Macron m'a délégué pour venir vous voir. Parce que quand il est venu lui-même personnellement, vous lui avez chassé, il ne sait même pas pourquoi. Voilà pourquoi moi je suis venu ce soir vous voir pour essayer de mettre la paix parce qu'on a des choses, voilà, on doit se dire des choses. Ibinda, donnez-moi mon téléphone. Je vais d'abord contacter mon neveu Félix. Aïe, bagué, j'ai reçu un voile en Anisère qui est venu me voir ici. Bon, premièrement,
Quand Emmanuel Masson est venu me voir, il a déjà débordé parce qu'il m'a dit qu'il veut venir aider les Africains. Écoutez, est-ce que l'Afrique, c'est un continent affamé? Non, non, c'est pas aider de ce sens-là. Écoutez, c'est... les Africains dépassent les Européens en tout. En termes même de superficie et de kilomètres carrés, l'Afrique elle-même peut abriter la Chine, l'Inde, l'Amérique du Nord et l'entièreté de l'Europe de l'Est. Mes chers frères, Emmanuel Masson est venu me dire qu'il va nous aider. Je lui ai chassé. Écoutez, deuxièmement, il faut dire à Emmanuel Masson, je lui ai déjà dit, mais j'espère que c'est un voile organisé, il faut lui dire, j'ai déjà un plan que j'ai élaboré pour détruire la France. Premièrement, je vais faire disparaître la Tour Eiffel. Je vais aller le mettre à Pascal. Et puis les colons vont commencer à pisser. Et ça, bon, c'est tout. Deuxième plan, les Champs-Élysées. Je vais les faire disparaître pour aller les placer même à Boumbou. Et puis les chèques peuvent payer même 1000 francs, faire le patati patata, le zigidoubi, c'est tout. Et l'Afrique est costaud. Bon, écoutez. Monsieur, écoutez, déjà, pour commencer, vous utilisez notre langue, la langue française. On n'en fait pas un problème, on n'est pas... Écoutez, tu veux m'énerver, le français c'est quoi? Bon, Macron pense que quand on parle quand même français, c'est grave. Or moi, j'ai déjà un projet de valoriser toutes les langues du Congo, les Tchuluba, Ditunga, Djeto, Djinanga, Ditalala, Apana, Patati, Patata. Et puis si je me fasse, je peux massacrer les Français. Désormais, même si tu ne sais pas parler français, si on te... écoutez, moi déjà si je me fasse, je peux dire la papa... les mamans, une tante, une oncle, bon, et puis c'est lui qui monsieur, va me... Écoutez, je vais faire la guerre. Monsieur Monakongo, s'il vous plaît, calmez-vous. Parce que là, j'ai une somme de 300 000 dollars. 300 000 dollars? Oui, oui. Tu veux tenter de me provoquer? Non, non, c'est juste pour aider l'Afrique, on veut aider la RDC et on a une bon, somme écoutez, de... Bon, écoutez, toi combien? 19 000. Hé! Hey, tu me mens, c'est à 25. Je suis au courant. Parce qu'à Pascal, on change ça à 25, 24... 24 500, mais tu veux m'escroquer déjà? C'est à 19. Alors, c'est où l'argent? C'est où l'argent? Monsieur, vous allez bien? Je me rappelle de lui. C'est lui qui devait aller avec le président Macron quand il était venu. Vous allez bien? C'est monsieur que vous voyez. Oui. Je lui ai posé, si je vais te faire disparaître pour apparaître à tout le faire, il était d'accord. Mais quand il est revenu, il m'a quand même demandé pardon. Aujourd'hui, même si tu parles que tu vas partir avec lui, il ne serait pas d'accord. Prévenez, je vais lui poser une question ici. Pour voir qu'il ne peut plus être culpabilisé avec la Tour Eiffel parce que le pont Marshall dépasse la Tour Eiffel. Kibinda, Kaka, ne me déçois pas cette fois-ci. Si je vais te faire disparaître pour aller apparaître à la Tour Eiffel, à France, tu serais d'accord? Kibinda, Kaka, si je vais te faire disparaître ici, à Kinshasa, pour aller apparaître à la Tour Eiffel, tu serais d'accord? Oui! C'est un patati patata, tout alors, le monde. Monsieur, écoutez. Comme vous écoutez. Voulez pas qu'on vous aide, je crois qu'on va rentrer avec lui. Et vous allez bien? On va rentrer parce que le président Macron a besoin de lui, en fait. Si tu reviens encore ici, je vais te faire disparaître pour aller apparaître au Mayombe. Les Congolais ne sont pas d'accord de vous voir. Prévenez tout le monde. Cherchez-lui en disant hé, patati patata, hé, tout le monde, hé. Et... allez-vous la chanter, chanter, et puis vous aurez 5 indicats chacun. Je suis fâché. Applaudissez. Je suis fâché.